Bon, au moins c'est bon, c'est. Si. Oh, bonjour, 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 bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous, mes personnes, mes impactés? Bonjour, bonjour aux 30 premières personnes connectées. Bonjour à tout le monde. Vous allez bien, j'espère. Est-ce que la luminosité est bonne? Sais pas si c'est bon. Mon cher. Hey, Beken Ivoire, bonjour, bonjour. Impacteuse toujours. Oui, merci. Force à moi. Merci beaucoup. Mapo, hey, ma fille, tu as vu comment le bank est. Quand tu étais à Abidjan, on se parlait chaque jour. Merci pour les cœurs. On se parlait chaque jour. Moi-même, ma propre fille, j'ai accouché. Ça fait combien de temps on n'arrive pas à se parler? C'est ça la vie en Occident. Merci beaucoup, merci. Soyez bénis, merci pour les cœurs. Merci. Allez en direct à Mazo, comment tu vas? Merci beaucoup, j'ai des informations à passer, j'ai des informations. Merci pour les cœurs. Merci. Oui. Bon, c'est bon. Michel Missipo, merci. Junior Yandieu, merci. C'est bon, merci beaucoup. Coucou Monica. Patricia. Hey, Patty, comment vas-tu? Hey, Patty. Ah, ça. Ouh là là, je vais te rejoindre après le direct. Je ne savais pas que tu me suivais. Merci beaucoup, Patty. Ça, c'est ma chérie, ça. Ah. Aïe, ça, c'est ma chérie. On se connaît. On a fait la jeunesse ensemble à Daloa. C'est ça. Ayonia, merci beaucoup. Oui, merci, merci. Vraiment, merci pour votre soutien indéfectible. Merci à tous. On est rendu dans un monde où, quand ça dit que quand tu ça dit, quand tu veux rentrer dans ta bénédiction, il y a toujours ça vient de partout. Mais tout ça fait partie du processus humain. Ouais. Merci pour les cœurs. Si tu n'as pas d'importance là, il y a comment? Il y a deux. Je peux dire, il y a 5 mois de cela, qui parlait de l'impacteuse? Personne ne parlait de l'impacteuse. Voici ma mère, la femme du baobab qui est en ligne. Quand j'ai commencé, il n'y a personne qui parlait de moi. Mais aujourd'hui, de partout, bon, ça sort, ça sort. Tout ça fait partie du processus. Merci pour les cœurs. Je viens, j'aime pas trop les longs directs, vous le savez. Moi, je tape direct dans le sujet. Merci, merci à tous là. Je vous remercie. Mes impactés, mes personnes. Oui. Oh, super fan, mes super fans, ma grando, Blanche Miaro, salut à toi depuis ta position. Oh, merci beaucoup, merci à tout le monde. Juste le temps de vous connecter un peu. Ouais, Thérèse Yeboué, merci, merci tout le monde. Bonjour, bonsoir, depuis là où vous êtes. Je peux dire bonjour parce qu'il y a des gens qui me suivent depuis le Japon, depuis l'Australie. Salut à toi, ma soeur, depuis l'Australie là-bas. Mon frère aussi au Japon. Ok, c'est ça. Bon. Ce que je voulais vous dire, les amis, c'est que merci pour les cœurs, merci pour tous les cœurs. Oh là là, Mariam Ouattara, Ajé Boufi Boufi, Ayo Dagou, merci. Ok, je kiffe grave. Moi aussi, je kiffe grave sur vous. Bon, merci, on va rentrer dans le vif du sujet. Ben, je venais attirer un peu votre attention. Il faut, ça dit que, essayez de prendre un peu les dispositions. Quand vous êtes sur ma page ou bien même si vous êtes un peu partout, aujourd'hui j'ai été confrontée à une situation vraiment. Et Lidrilou, salut. J'ai été confrontée à une impactée qui me suit, une petite sœur vraiment qui me suit. Il y a quelqu'un qui a utilisé Marcel. Maya, comment vas-tu? Qui a utilisé son profil. Ouais, j'explique ça parce que ça peut vous arriver à vous. Comme les gens ont vu qu'elle me suivait tout et tout. La personne a utilisé son profil. Comment elle s'appelle la sœur? Vraiment, j'ai été offusquée quand j'ai vu ça. La personne est allée prendre son profil, c'est-à-dire aller prendre sa photo. Et puis elle est venue créer un profil pour venir m'insulter sur ma page. Alice Yao Tapé, merci beaucoup pour les étoiles. Et puis venir m'insulter sur ma page face à la vidéo que j'ai faite hier.
Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. Moi, je ne savais pas. Quand j'ai vu que elle m'a posé un commentaire, quand j'ai fait ma vidéo, bon, où j'ai la fait vidéo, où hier, j'ai fait une petite vidéo, elle a posé vraiment un commentaire. J'ai regardé, j'ai dit, mais tiens, en tout cas, son commentaire m'a fait un peu bizarre. Or, c'est quelqu'un qui a vu que comme elle me suivait, la personne est partie sur sa page pour prendre une de ses anciennes photos. Et lui, cette personne, je n'ai même pas dit son nom ici pour lui donner de la valeur, non. D'ailleurs, même elle a été bloquée. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend la photo de mon impacté et puis elle met un autre nom et puis elle vient poser des sales commentaires. Donc, ça peut vous arriver. Vous êtes mes impactés, vous êtes nombreux qui me suivez. Donc, c'est des choses qui arrivent. Moi, je vous demande d'être prudent. On est rendu dans un monde où aujourd'hui, certaines personnes ne supportent pas le succès des autres. Je suis désolée de tout ce qu'on peut penser, de tout ce qu'on peut dire. Oui, Annie Ange, la pauvre fille, moi, je ne savais pas que c'est elle me suivait même. Sachant c'est que moi, je suis allée dans le inbox cet après-midi comme ça, parce que, comme je dis, moi, je suis plus apte sur mon WhatsApp. Mais elle ne m'a pas écrit sur le WhatsApp, elle m'a écrit dans le inbox. Donc cet après-midi, j'ai dit, bon, je vais jeter un coup d'œil. Et puis je m'en vais. Elle me dit, la mère, rappelle-moi, c'est important. Réponds-moi, c'est important. J'ai dit, OK. Et puis je réponds. Quand je réponds, je me rends compte que c'est une pauvre jeune fille, une jeune dame, oui, elle est moins âgée que moi, c'est une petite soeur, je dirais, qu'ils ont utilisé son image pour venir poser des sales commentaires. Mais ayez le courage d'affronter. Affronter à visage ouvert. Maintenant, quand vous m'affrontez à visage ouvert, là, si je veux, je vous réponds. Si je veux aussi, je ne réponds pas. Mais vous ne pouvez pas prendre l'image de quelqu'un qui n'a rien fait et puis vous venez poser un sale commentaire. Et quand vous posez le sale commentaire, moi, je vous réponds. Ayez le courage. Voici quelqu'un qui a dit qu'il était Django. Maintenant, ici, Django sera souffert. Aujourd'hui, c'est la souffrance. C'est ça. Donc, affrontez. Affrontez-moi. Quand vous m'affrontez, si je veux, je réponds. Si elle veut aussi, je ne réponds pas. Mais tu ne peux pas prendre l'image de quelqu'un qui n'a rien fait. Il y a des images des stars. Vous pouvez prendre les images des stars pour créer vos faux profils. Moi, quand je vois que quelqu'un vient m'insulter avec l'image de Rihanna ou bien l'image de Beyoncé, je sais que c'est un faux profil. Je ne vais même pas m'en occuper. Mais quand on prend l'image de quelqu'un, et puis on vient, quelqu'un qui n'a rien fait, et on vient, on pose un sale commentaire, parce qu'on sait que ce commentaire-là, si je pose ça, elle va l'insulter. Donc, tu prends l'image de quelqu'un. Je dis que vous allez souffrir. Votre vie sera toujours une vie de misère. Ça, je le dis. Oui, je m'adresse à ceux qui se cachent derrière les faux profils. Vous qui prenez l'image de mes impactés. Oui, à visage découvert, c'est mieux. Oui, venez à visage découvert. Vous venez parler. Maintenant, si c'est ton visage-là, moi, je te donne ta part. Vous-même, vous connaissez pour donner la part, là. Ça dit, quand je veux parler, là, je vais parler. Si elle ne veut pas parler aussi, là, je laisse. Et puis, je ne vis pas seule. Je vis avec des gens. J'ai des gens qui m'entourent. Donc, souvent, avant de réagir, on me dit, non, ça, il ne faut pas parler. Ça, tu peux parler. Puis bon, je laisse. C'est comme aujourd'hui, tout ce qui arrive au pays, les images que vous m'envoyez, souvent, je ne dors pas. Quand je regarde ça, je soupire seulement. Mon mari me dit, il faut laisser ce côté-là. Faut laisser. Toi, tu as un côté où tu parles, donc il faut laisser l'autre côté là. Et puis j'encaisse et puis je m'assois. Donc, si vous vous cachez derrière les faux profils pour venir insulter, ça veut dire que vous n'avez pas assez de couilles. Puis quand tu as des couilles là, tu viens yeux ouverts. Tu viens niaillerait même. Et puis maintenant, tu poses ton commentaire. Et puis je te donne ta part. Père, parfois, vous pensez que vous êtes plus intelligent que moi. Oui, vous, c'est parce qu'il y a les faux profils, mais il y a des gens aussi qui viennent te poser des commentaires. Moi, quand vous me posez des commentaires, je ne suis pas stupide. Quand un commentaire est posé, je sais dans le commentaire ce que tu es en train de dire, si c'est pour me rabaisser ou bien si c'est pour m'insulter. Je sais, vous croyez que cette façon subtile de faire les choses-là, moi, je ne connais pas ça. Mais quand je vous pose le commentaire, là, maintenant, c'est l'impacteuse. Moi, je n'ai rien dit de mal. Comment on appelle ça? J'ai une remarque. Mais il y a remarque et puis remarque. C'est comme quelqu'un qui est en train de traverser la route. Tu marches avec quelqu'un. Et puis la personne n'a pas bien vu que le feu était au rouge. Et puis la personne. Et puis tu dis à la personne, tu es trop bête. Tu n'as pas vu que le feu est rouge. C'est plus la même chose. Ça, c'est plus remarque.
C'est ça l'impacteuse. Quand vous envoyez le commentaire de façon subtile, moi je frappe directement. J'ai remarqué. Après, vous me dites non, je te suis. Tu me suis, mais le commentaire que tu as posé là, ça mérite aussi une réponse. Donc c'est clair. Quand vous venez là, vous posez vos commentaires, je vous donne la réponse à la hauteur. Ça c'est clair. Donc si je fais une vidéo ou bien je mets un post qui ne te plaît pas, aujourd'hui tu peux passer. Ça fait rien. C'est pas dans tous les postes on vient parler. Moi-même là, je préfère encore les postes même où souvent, ça dit, vous pouvez mettre peut-être un petit truc et puis vous passez. Est-ce que c'est tout ce que je dis là, c'est pas tout qui est bien à entendre. Donc, ça dit qu'il y a des jours, je peux faire un poste qui te plaît pas. Aujourd'hui, tu iras, tu peux dire, ah, l'impacteur, mais elle raconte quoi là-bas aujourd'hui? Je suis pas dans son affaire. Et puis tu passes ta route. Mais quand tu dis que tu es mon impacté, et puis aujourd'hui, moi je mets un poste là, et puis toi, je suis en train de sensibiliser sur la propriété. Toi, tu viens le saut de choses que tu viens commenter. Ma chérie, quand c'est pour ça que je t'ai dit bienvenue sur ma page. Bienvenue. Parce que quand vous faites des commentaires subtils, moi, je donne la riposte, ça dit fracassante. C'est quoi je suis? C'est ma nature, c'est comme ça je suis. Donc, arrêtez de dire, fais comme tel. J'ai déjà vu toutes les blogueuses sur le net venir justifier. Venir dire arrêtez de m'insulter. Et je ne suis pas la seule qui veut qu'on l'insulte. Il n'y a personne qui veut qu'on l'insulte. Mais comme je dis, les injures dans les poussières, dans les bakas et les waroworo, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Les injures ailleurs, je n'ai pas de contrôle. Mais ici à Montréal, j'ai le contrôle là-dessus. J'ai contrôle. Contrôle grave même. J'ai ça. Aujourd'hui, il y a quelqu'un. Jusqu'à c'est devenu les pleurs maintenant. C'est devenu les pleurs. Un adulte qui pleure comme une madeleine, je vous dis, mes impactés. Je vous dis qu'un adulte a pleuré comme une madeleine. Tu ne vas pas en prison, pourquoi tu pleures? Parce que tu as enlevé l'argent. C'est ça qui est clair. Donc moi, je vous dis, vraiment, soyez prudents. Soyez vraiment très prudents, vous mes impactés. Parce que je sais que j'ai mes personnes. J'ai mes personnes aujourd'hui, comme je vous ai dit. Avant, on ne parlait pas de moi. Mais aujourd'hui, on parle de l'impacteuse. Un peu partout, je reçois des messages. Il ne faut pas répondre. Non, je ne vais pas répondre. Comme j'ai dit, je n'ai pas besoin de répondre. Bon, ton mari ne travaille pas. Bon, ton ex s'appelle Grégoire. Ex là. Ce n'est pas un seul ex dans ma vie. J'ai eu des ex. Donc, allez déterrer tous les ex. C'est ça qui est la vérité. Hein? On me parle d'un seul, alors qu'il y a eu beaucoup. C'est clair. Il y a eu beaucoup. Donc, si tu ne peux pas aller déterrer tous les anciens là. Donc, ce n'est pas la peine. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Excusez-moi. Je fais ce direct là. Merci beaucoup pour vous qui m'envoyez les étoiles. Mazo, tu sais que nous, on est femmes de l'Ouest. Pour nous, là, on ne cache pas. Pour dire que non, je n'ai pas d'ex, tout et tout. Moi, j'ai ex. Et les ex, ils sont dans la poussière, dans les waro-waro là-bas. Ils ne font plus partie de ma vie. Moi, je mène ma vie de confort ici. Je mène ma vie avec un homme qui m'a aimé du premier jour, il m'a connu jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'ex qui est dans misère, moi, je peux croire toi. Si on a pris ta photo qu'on a mise sur les réseaux sociaux, ça, c'est ton problème. On va dire juste, c'est l'ex de l'impacteuse qui a évolué. Ah, celle-là, en tout cas, lui, il est resté dans la galère. Elle a évolué, elle est au Canada. C'est tout. Donc, ça, c'est pas problème. Donc, ben, rassurez-vous. Tout ce que je veux vous dire, soyez prudents, ça peut vous arriver. On prend vos images et puis on s'en va sur d'autres pages là-bas pour insulter. La fille, j'ai oublié son nom, ma chérie. Vraiment, je fais cette vidéo-là pour te dire... Oui, tu as cherché, tu vas trouver. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, non, Julia Kofi, pour le monsieur, il n'y a pas de problème. Julia, il n'y a pas de problème pour le monsieur, mais c'est juste que, écoute, c'était trop fort, ma chérie. C'était fort. Comme j'ai dit, j'ai vu quelqu'un a dit, vous n'êtes pas allé au procès. J'ai dit, oh que oui, ça se fait. On appelle ça une entente entre des avocats. Il dit à son client, cette affaire-là, si on va avec ça, tu as un risque de dossier criminel. Donc, ça donne pas, ça vaut pas la peine d'y aller. On va négocier quelque chose. Ça se dit. Donc, on est dans ça actuellement. Non, je peux pas répondre. Comment je vais répondre à ça? Voilà. Ok, c'est ça qui est la vérité. Merci beaucoup pour les étoiles que vous m'envoyez. Voilà. Moi, je vous demande d'être prudent sur ma page. Surtout, soyez prudent, soyez vigilant parce que il y a des ennemis qui viennent sur ma page. Vous ne supportez pas le confort dans lequel je vis.
Je suis désolé, j'ai travaillé fort pour être là où je suis rendu. Je suis rentré au Canada avec des ennuis de santé. J'ai fait 10 ans de maladie à Abidjan. Je suis rentré au Canada ici. Dans ça là, j'ai souffert. Je ne travaillais même pas beaucoup. C'est mon mari seulement qui travaillait. Mais malgré ça là, j'ai fait quête, jusqu'à m'a stabilisé. Donc aujourd'hui là, si je mène, tu ne supportes pas, tu quittes ma page. Il y a des entrepreneurs, il y a des jeunes qui font de l'entrepreneuriat. Sur les réseaux sociaux, ils ne gagnent pas abonnés. Entrepreneuriat où on parle de comment se réaliser, comment développer l'Afrique. Vous ne partez pas là-bas où on a besoin de vous. C'est où vous dites que oh, l'impacteuse insulte. Oh, c'est comme ça, c'est comme ça. Merci beaucoup, toi qui m'as admis depuis Châteauguay. Oh, l'impacteuse est comme ça. Elle fait trop malin, c'est comme ça. Mais si je fais malin, il y a une page, j'ai un petit qui est dans le Nebraska, Warren. Il cherche des abonnés parce qu'il parle entrepreneuriat. Il ne gagne même pas Pigini abonné. J'ai un autre aussi qui a... Mon petit Chilo, le jeune Camerounais, il m'a dit, la mère, comment tu fais? Et puis, tout de suite, là, la page a moussé. J'ai dit, ils n'aiment pas l'entrepreneuriat. Ils disent qu'ils ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour faire entrepreneur. Ils viennent sur les réseaux sociaux pour Congossa. Ils viennent sur les réseaux sociaux pour Papatoya. Où on insulte, là, c'est là qu'ils viennent. Donc, c'est clair. Donc, c'est-à-dire que si vous venez sur ma page, aujourd'hui, on m'attaque pour quoi, c'est rentré ici. Mais l'impacteuse a toujours mis pour elle en avant. J'ai dit, ce qui a fait souffrir, c'est la piscine qui a fait souffrir. La piscine. Parce que quand j'ai commencé à faire les directs dans la piscine, ça a commencé, ça dit, ça a commencé à toucher du plus profond. Oui, c'est ça. Mais il faut supporter. Parce que la piscine, c'est pour l'été. On s'en va en hiver. En hiver, ça va être dans le spa. Vous comprenez? En hiver, là, c'est le spa. L'été, c'est la piscine, c'est le jardinage. Dès que l'hiver commence, on ferme la piscine, on ouvre le spa. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez? Donc, c'est dur à supporter. Oui, c'est dur. Donc, si c'est trop dur, tu quittes la page. Tu t'en vas où on parle de Jésus et de Mahomet. Tu t'en vas où on fait de l'entrepreneuriat. Parce qu'il y a des jeunes entrepreneurs qui sont sur les réseaux sociaux qui cherchent des impactés. Merci beaucoup, Audrey Simon, depuis ta position. Merci pour les étoiles, mes amis. Oui, c'est dur. Hier, maintenant, bon, vous souffrez là-bas. Bon, je souffre, maintenant, j'ai montré le décor. Ça, c'est le décor de quelqu'un qui souffre. Non, on ne souffre pas au Canada. On ne souffre pas au Canada. C'est ça que... Oui, maintenant, c'est la piscine qui fait souffrir. Attends, moi, j'ai dit piscine au Canada, ce n'est pas le luxe. J'ai dit que la piscine au Canada, c'est une question de confort. On est comme 5 voisins ici, totalement. Il y a 5 piscines dans le quartier. Donc, ce n'est pas un luxe. Moi, je vis mon confort. Maintenant, si c'est trop douloureux pour toi, et quand on va tomber dans l'hiver, dans l'espace, qu'est-ce que vous allez faire? Hein? On attaque mes impactés, tout et tout. On prend les images de mes impactés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je suis là pour parler à mes impactés. Vous comprenez? C'est Corona qui a gâté. On a prévu un voyage dans le sud, à Cuba. On va aller, on fait la prudada là-bas avec ma copine. Ça encore, quand vous allez voir ça là, il va y avoir de la souffrance dedans. Mais qu'est-ce que moi je peux faire? Moi, je ne peux rien faire. Voici Patricia Dali qui est en ligne ici. Elle et moi là, on a galéré. Moi, je ne cache pas ma vie. Ma vie là, je la dis hoha. Moi, je suis née, comme je vous dis, dans les bananiers. À Issia. J'ai dit bananier pour ironiser un peu. Ma mère, je suis née à Issia. Voilà. De Issia, là, j'ai fait mon enfance à Daloa. J'ai fait Abidjan. Malgré qu'elle était, ça dit que dans les poussières là-bas, là, j'ai déjà ma vision des choses. C'est ça qui vous fatigue. Je vois, non, une villageoise qui a réussi. Mais une villageoise doit réussir. Soyez des villageoises qui ont réussi. C'est ça, c'est ce que moi je prône. Oui, tu peux sortir du néant et puis réussir. Sortez du néant et puis vous allez réussir. Sortez du néant et puis vous allez être à la tête de vos familles. C'est de ça qu'il s'agit. Mon père était un professeur, ma mère était une infirmière. Ce qui est sûr, j'ai jamais manqué, ça dit que j'ai jamais manqué de nourriture, j'ai jamais manqué, ça dit que de ce qu'il me faut parce que j'avais des parents qui s'occupaient de nous. Mais je me suis battue. Je me suis battue pour être là où je suis. J'ai travaillé fort. Même ici, malgré que ma santé était précaire, je ne suis pas restée les bras croisés quand je suis rentrée au Canada. Mon frère de cette île, tu es en ligne. Au Canada, on ne te donne pas dans la main. Tu vas aller chercher.
Malgré que tu payes pour ton immigration pour rentrer au Canada, il n'y a personne qui te donne. Je où vous avez pensé que quand tu arrives à l'aéroport, le blanc va te faire à tout parce qu'il te voit comme un pauvre vulnérable qui est rentré dans son pays. Ce n'est pas ça au Canada. On travaille fort à la sueur de notre front. C'est de ça qu'il s'agit. Maman, Léa, la vie, on va pas rentrer dans ça. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui dérange. La Canadienne qui fait son faro dans sa piscine. La Canadienne qui a dit qu'il fait son jardinage. La Canadienne, ça dit qu'il parle du Canada à longueur de journée. Mais l'hiver s'en vient. Pour parler comme les Québécois, l'hiver s'en vient, là. Ça va chauffer dans le spa. Ça va chauffer bien raide, pour parler québécois, là. Donc, il va falloir assumer. Mais si vous n'êtes pas capable, que c'est trop douloureux pour vous, je vous comprends. Je vous comprends. Oui, oui, oui. Je comprends que c'est douloureux pour vous de me voir comme ça. Mais je vous conseille des pages où on parle de l'entrepreneuriat. Des pages où on parle de Jésus et de Mahomet. Où on prêche la bonne nouvelle. Allez là-bas. Mais non, on laisse ça. On laisse ça. Et on vient. Le jeune homme m'a dit, mais la mère, je traite des bons sujets. J'ai dit que ça prend de la pogne pour papa. Tu peux être en train de traiter un bon sujet et puis tu as un à un. J'ai dit que si tu es sur la page de l'impacteuse et que ça dit que tu as la jalousie dans ton cœur, tu vas avoir la tachycardie. Vous savez ce que c'est tachycardie? Je ne suis pas infirmière, hein, mais j'ai un nurse dans ma maison. Le cœur fait comme ça. C'est comme ça le cœur va vous faire. C'est ça. Il n'y a pas piscine, il n'y a pas tout ça, il n'y a pas tout ça. Vous êtes là, on vous parle. Maintenant, le comble, c'est qu'on finit de. Vous finissez d'insulter, insulter. Après, vous venez dans les inbox. Oui, j'ai immigré, je suis ici, je suis de tel côté de l'Europe, en tout cas le Canada. J'ai dit que Aman Pachaché, c'est Pachacheli. On a reçu des Benguis, des Français ici. On les a reçus. J'ai dit. La bouche était ouverte comme ça dans le quartier. Je n'ai pas dit que c'est Tchatcheli. Je vous dis les vraies choses. Jusqu'à elle a dit, il y a 10 ans, mon frère est à une autre ville à Québec. Il m'avait dit de venir immigrer au Canada. Si je savais, ma soeur là, tu me suis. Si je savais, j'allais venir immigrer au Canada avec mes enfants. Le monsieur arrive dans la maison, il dit, ça c'est maison de trois personnes. Il dit, c'est maison de trois personnes qui est là. Oh, ha. Il dit, waouh. C'est la vérité qui est là. Ça ne chauffe pas, mais c'est du réel. Voilà. Mais comme je vous dis, c'est une immigration sélective. C'est ça qui est la vérité. Oui, tu ne veux pas accepter la vérité. Toujours Canada, Canada. Elle fait comme si c'est ce qui est au Canada. Mais si vous êtes au Canada, que vous n'êtes pas des blogueurs, c'est correct. Vous, ces personnes qui vivaient ici au Canada, vous n'êtes pas des blogueurs, mais l'été là, vous mettez vos piscines, vous mettez vos maisons, vos barbecues sur vos pages, comment on appelle ça, page publique Facebook. Vous mettez, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu mets en avant. Moi, c'est pas, je suis blogueuse, que je mets pour moi que 60 000 personnes visionnent. Donc, où est le problème de elle fait comme si c'est ce qui est au Canada? Je donne envie de me battre. C'est ça mon combat. Je donne envie pour que, qui que tu sois dans la société où tu es, tu te battes. Que tu ne te sentes pas rabaissé. Quand on est arrivé ici au début, là, tu subis. Il y a des comportements que les gens d'ici te font vivre. Tu subis, tu subis. Mais après, tu te choses, comment on appelle ça? Ah, Albert Joko, ça c'est mon côté qui est là. En Afrique même, j'ai déjà porté plainte. Ah, que oui, c'est ça. Une soeur qui porte plainte contre son frère, c'est ça qui est la vérité. En Afrique, j'ai déjà porté plainte là-bas. Donc, quelqu'un va venir me manquer de respect. C'est en Afrique, vous faites n'importe quoi. Ça dit, vous manquez du respect aux gens et puis vous pensez que non, ton propre frère, il n'est pas mon frère. Il n'est qu'un compatriote, il n'est qu'un frère africain. C'est ça qui est la vérité. Dans ma famille, on n'insulte pas les femmes. Donc, c'est ça. On peut vivre en bossant dur.
Juste seulement que le seul problème qu'on rencontre ici, on a une accessibilité au niveau des cartes de crédit. Et puis, c'est ça qui fatigue. C'est comme quelqu'un m'a rejoint un jour. Oui, moi, je vais savoir comment je peux faire pour prendre l'argent qui est là sur carte de crédit, l'argent qui est sur leur carte de crédit pour aller investir au pays. J'ai dit que l'argent sur carte de crédit, toi, tu vas prendre pour aller investir au pays. Tu connais le revers de la médaille. Ça dit que quand vous venez, on vous donne de mauvais conseils. On t'a dit qu'on prend l'argent sur carte de crédit. On prend l'argent sur une marge de crédit. On ne prend pas l'argent sur carte de crédit. Mais quand toi, tu vas aller investir là-bas, là, c'est cadeau, tu vas rembourser après. Ce qu'ils veulent, ce qui est sûr, je dis que l'adulte, c'est lui désormais, je vais nommer l'insulteur de Montréal. L'insulteur de Montréal a pleuré comme une madeleine. Comme une madeleine. Jusqu'à son avocat était obligé de lui dire, mais... Il n'y a pas de prison, pour on n'ira pas au procès. Non, non, on n'ira pas au procès, mais ma poche va souffrir. On n'ira pas au procès, oui, c'est vrai, mais ma poche va souffrir chaque 2 semaines. Oui, c'est vrai, on n'ira pas au procès, mais ma poche va souffrir, ils vont aller chez moi pour lui donner. Entends ici, même si on allait 1 $ sur ta paye, ça fait très mal. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Donc, c'est ça, je tenais à vous dire, mes abonnés, mes impactés, mes personnes, comme je vous appelle, vraiment, soyez très prudents, parce qu'on a utilisé l'image de cette jeune fille-là pour aller, ça dit, oui, on n'ira pas au procès, oui, c'est vrai. On n'ira pas au procès, mais chaque 2 semaines, on va aller dans ma paye. Pour mettre ça dans son compte. On dit que c'était comme ça. Il pleurait seulement. C'est ça. Tu as insulté, tu as insulté. Donc c'est ça. C'est apprendre ou à laisser. Mais c'est une occasion. C'est une occasion et puis c'est un signal fort. C'est ça. Ça dit que tout. Maman, j'ai ri seulement. Oui, c'est ça. Je vais répondre aux messages. Il y a des messages qui attendent. Je vais vous répondre. Je tenais à vous dire, le consultant, il rencontre un sérieux problème à Abidjan. Un sérieux problème de retard. Je ne sais pas pourquoi, il est vraiment confronté. Il m'a envoyé un message pour me dire, Monique, les entrevues se passent super bien. Et j'ai dit, oui, j'ai reçu un bon retour. J'ai reçu un très bon retour, mais le seul sont les retards. Je comprends que ce n'est pas facile avec la circulation, tout et tout. Pour vous qui n'avez pas encore été reçu, ça va se jouer sur la liste, ça joue sur la liste. Jusqu'à hier, il y a des gens qui m'ont appelé, qui m'ont envoyé des messages ce matin pour me dire, ah, l'impacteuse, le consultant ne m'a pas encore appelé. Oui, le consultant ne t'a pas appelé parce qu'il rencontre des difficultés. Comment on dit ça? Les gens vraiment décalés. En tout cas, je tenais à vous dire merci. Faites un effort. C'est pas facile. Et c'est pas facile. Mais faites un effort. C'est les choses comme ça, là. Non, on va pas t'insulter. Annick Dobian, Vancouver. Non. Pourquoi on va t'insulter? On va pas t'insulter. Tu as dit quoi de mauvais? C'est ce que j'ai dit. J'ai dit quelque chose, quelque part où tu vis. Une de mes impactées qui me suit ici. Donc, pourquoi mais vous allez me faire croire que non? Il faut faire comme celle-là. Je ne fais pas comme quelqu'un. Je suis moi. J'ai dit, attaquez-moi ailleurs. Incitez-moi sur ma page, à gauche, à droite. C'est pas ça. Mais ici, si l'injure que tu es venu me donner quand insulter mon intimité, je ne peux pas supporter. J'essaie où aller te t'emmener. C'est tout qui est la vérité. Merci beaucoup. Ah, c'est ça qui est la vérité. Il a pleuré. Il a pleuré, pas le diable a sorti de son compte pour venir chez moi. Non. Merci beaucoup. Bon. Ça là, Mirago Ruki. Ça là, c'est ça, la femme blanche était, elle est tombée des nues. C'est à toi que je réponds, Mirago Ruki. Elle a dit, ah bon? Des gens réfléchissent comme ça? Parce que tu parles sur les réseaux sociaux, tu as droit aux injures. J'ai dit oui. Elle a dit, ah ben, ça marche pas comme ça, là. Ça marche pas, là. Bon, c'est une façon de réfléchir. Je peux pas empêcher les gens de réfléchir. Ah, c'est ça qui est là, des...
de Genève. Moi, j'ai fait quoi en Europe? J'ai fait quoi là-bas? Europe, c'est bon pour moi pour aller en vacances. Je suis trop à l'aise ici. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? En Europe, là, j'ai fait quoi là-bas? De Genève ou bien de quoi? J'ai fait quoi là-bas? Je fais rien là-bas. Je suis trop bien ici. Aïe. Mon cher ami. Ah, Anne Positivité. Ce qui est sorti, on ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas tout dire, ma soeur. Ah oui, son numéro n'est pas passé, mais je ne peux pas te mettre son numéro ici. Rejoins-moi dans le inbox. Donne-moi ça, merci. Et merci, ce n'est pas... Le numéro de M. Magui n'est pas passé. S'il te plaît, donne-moi ça. Je ne peux pas donner ça ici, ma chérie. Pardon, rejoins-moi dans le show. Merci beaucoup, Sonaxa Alimatou Sadia. Merci pour les étoiles. Je vous remercie. Vraiment, c'était pour vous dire que, on a utilisé l'image de mon impacté. Oui, ma très chère impactée, on a utilisé son image pour venir m'insulter sur la page. Et je ne savais pas. Voilà. Non, ça, je rentre pas dans ça. Faut laisser ça, maman. Le roi même a dit, tu vas t'occuper de ça, pourquoi? Aïe. Le roi a dit, tu vas t'occuper de ça, pourquoi? Tu ne restes pas, tu t'occupes pas de ça, maman. Occupe pas de ça. Aïe, bisous à vous. Moi, je vous aime. Il est quelle heure, là? Ouais, il est 6 heures. Bon, je m'en vais souper. J'ai dit encore, il m'a souper, ça vous fait souffrir. Alors que nous, ici, on dit souper. Le repas du soir, c'est ça au Québec, on appelle le souper. Donc, je m'en vais souper maintenant. Ah, merci beaucoup. Donc, je suis là pour lancer un message. Si vous ne supportez pas l'été, c'est correct. Vous pouvez, ça dit, prendre une petite pause. Parce que ce qui arrive en hiver, c'est du balèze. Je ne veux pas que vous tombez en tachycardie ici, que vous ayez, ça dit, des crises d'angoisse. Oh, trop froid, mais on n'est pas malheureux ici, ça c'est clair. Au Canada, si tu es chaudement habillé, tu as des bons manteaux, tu es à l'aise, tu sors, tu fais tes choses, chap, chap, tu rentres chez toi. Aïe, Audrey, c'est pas tout le monde qui est malheureux en Europe. Maman, on ne peut pas tout dire ici. Même en Europe, là-bas, il y a d'autres qui vivent propres. Il y a déjà vu des images qui parlent d'elles. Mais c'est ça. Voilà, va te coucher, Annick, de bien. Moi-même, il m'en vais. Merci beaucoup pour ta disponibilité. Prenez soin de vous. Je vous aime. C'est toujours moi l'impacteuse. Louise, salut à toi depuis la ville de Québec. Comment vas-tu? Ok, merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir. Bisous à vous. Faut pas que le...